Ces situations impliquent que le joueur en défensive effectue une approche au porteur en prenant l'information sur la provenance, la prestance et la vitesse de l'opposant en jetant un coup d'œil en direction de celui-ci. Sa deuxième action sera de réduire la distance entre lui et l'opposant en possession de la rondelle en pivotant et se dirigeant vers lui. Sa troisième action sera de diriger son regard vers le corps et par la suite vers la palette de l'opposant pour effectuer une technique d'échec au bâton pour faire perdre ou récupérer la rondelle. Dans ces situations, aucun contact physique ne sera toléré.